Le rideau se lève sur une nouvelle saison de pêche au saumon pour Richard, mon conjoint et moi-même. Pour notre première excursion de la saison, nous avons choisi de nous mesurer au saumon de la rivière Matane. Cette merveilleuse rivière est devenue au fil des ans notre rivière de prédilection. Bien que je n'ai pas encore eu la chance de prendre un saumon dans cette rivière jusqu'à maintenant, je suis bien déterminée à déjouer un de ces merveilleux poissons cette saison. Un arrêt à la passe migratoire nous permet de voir de près des saumons qui se préparent à remonter la rivière. Il a plu dans les derniers jours et les conditions de pêche sont excellentes. Notre niveau de confiance est à son maximum et nous avons très hâte au lendemain matin pour pouvoir lancer nos mouches à l'eau. Après une petite nuit de sommeil, Richard a choisi de débuter la journée à la fosse Capsaïs. Cette merveilleuse fosse est sans doute la plus connue et probablement la plus pêchée de la rivière Matane. Nous avons la chance d'être seuls en ce début de journée. Après quelques essais à la mouche noyée et à la mouche sèche, nous décidons d'aller visiter quelques autres fosses plus bas dans la rivière. Nous sommes rendus à la fosse Coulée des Sauts. J'aime bien pêcher cette longue fosse, car il est relativement facile de marcher sur le fond sablonneux. C'est à cet endroit que j'ai eu la chance de sentir, pour la première fois, les sensations que pouvait procurer la prise d'un saumon. En effet, il y a quelques années, alors que j'en étais à ma première journée de pêche au saumon à vie, Richard a piqué un saumon d'une dizaine de livres, en début de soirée, sous une pluie battante. Il m'avait passé sa canne et j'avais réussi à combattre et sortir le saumon. Ça a été le début de ma carrière de pêcheuse au saumon. Une autre fosse que nous aimons pêcher est la fosse La Falaise. C'est une très belle fosse qui réserve parfois des surprises très intéressantes aux pêcheurs qui la fréquentent. La deuxième journée, c'est à la fosse Johnson que l'on débute la pêche. Richard est rendu au milieu de la fosse lorsque je débute à la tête de celle-ci. Quelques minutes plus tard, j'entends un cri de sa part. Il avait réussi à déjouer un saumon au bas de la fosse et le combat était amorcé.
quelque chose sur le dos. Hein. Il va avoir une sangsue ou quelque chose sur le dos. Là. Après quelques minutes de combat, le saumon de 4 livres et demi s'est finalement avoué vaincu, à la satisfaction de Richard. Même si ce n'est qu'un petit saumon, c'est toujours un plaisir de réussir à déjouer ce magnifique poisson. Sur le dos du saumon s'agrippe une lamproie. Comme ce prédateur du saumon ne vit pas plus de 24 heures en rivière, nous savons que ce saumon vient tout juste de remonter de la mer dans les heures précédant sa capture. Yes. C'est quoi ça à peu près?